super belle en ce moment, hein. Je sais pas ce que t'as fait, mais t'as maigri, non? En tout cas, t'es super sexy. Les mecs vont tomber comme des mouches. Oh, merci ma chérie, venant de toi, c'est tellement rare. Ça me touche vraiment. Ah, mais c'est pas à toi que je parle. C'est à moi. Non mais, t'es pas mal non plus, toi. Petite bombe, va. Franchement, sister, c'est pour les mecs que tu te donnes tout ce mal? Non, j'adore souffrir, c'est pour le fun. Non mais, attends, pousser dur, faut être au top, non? Ah ben moi, je préfère cultiver mon esprit, hein. Et puis, les hommes aiment ça aussi, hein. Quand on n'a pas le choix. Mais attends, je dois me sentir visée, là. En tout cas, moi, j'attire des hommes qui me prennent pas pour un pot de fleurs. Qu'est-ce que tu lis? Réanimation cardiaque aux urgences. C'est sexy, ça. Eh ben ouais. On n'est pas pareilles toutes les deux. Et tu sais c'est quoi la vraie différence entre nous? Ouais, moi je suis Miss Pécho, toi t'es Miss Ratou. Mais je te parle depuis 5 minutes et puis tu me fais ta tête là. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je prends l'avion dimanche pour aller en Martinique et bah, comme d'habitude, je suis complètement flippée. Bah vas-y à la nage. Je plaisante. Mais est-ce que tu sais que l'avion est le moyen de transport le plus sûr au monde? Bah ça va, je connais la chanson. Hein. N'empêche que quand ton avion s'écrase, t'as zéro chance de t'en sortir. Mais il s'écrase presque jamais. Ah! Tu vois, presque jamais. Écoute-moi très bien. Tu as 15 fois plus de chances de gagner au loto que de mourir dans un crash. Tu ne risques rien. Tu comprends ça? Ouais, ok, j'ai compris. Bah merci, ça me fait du bien d'entendre ça. Mais sache que si ton avion s'écrase, je prendrai ta chambre. Bah, ici, c'est l'ivoirienne qui vient en Guadeloupe pour un business de lunettes de soleil. But I'm talking about money. Comme elle aime l'argent, voilà, elle aime le fric, voilà. Donc, du coup, elle est venue ici pour ça. Bleu turquoise, blondasse comme toi. 20 euros. Donc c'est un peu, on va dire, la girlie du groupe, elle est très cheateuse. C'est un peu mon personnage, quoi. Oui, Akissi serait copine avec Emma. Sauf sur son affaire d'argent, où elle trouve à chercher l'argent partout là. Non, c'est pas comme ça, quand même. C'est un peu trop poussé. Et méfiez-vous, elle est capable de vendre des lunettes à un aveugle, hein. Mais tous les aveugles portent des lunettes, non? Et puis vous mangez vos macros, là. Ça pue pas, quoi. C'est pas un nez vous avez là, c'est un groin, connerie là.